Herzlich willkommen. Was willst du denn jetzt gerne machen? C'est l'histoire d'un homme qui sort de prison. Un ancien de la fraction armée rouge, resté 18 ans derrière les barreaux. Il s'appelle Jens, et le temps d'un week-end organisé par sa sœur, il va retrouver son ancien amour, Inga, leur fils, Gregor, mais aussi le nouveau mari. L'ancien terroriste va aussitôt chercher à savoir qui l'a dénoncé. The Weeknd est un film allemand réalisé par Nina Grosse, et c'est l'actrice Katia Riemann qui interprète Inga, l'ex-petite amie. C'est une personnalité très éloignée de la mienne. Donc d'un côté, il fallait que j'aille vers ce personnage pour m'en rapprocher, mais il fallait aussi qu'il résonne en moi. Donc je suis un peu à la charnière entre les deux. Mais quand on fait ce métier depuis plusieurs années, c'est ce genre de rôle qui est vraiment intéressant, car c'est un défi. On se demande si on va y arriver ou pas. Le rôle principal a été confié à Sébastien Kohr, un choix apparemment approuvé par Bernard Schlink, l'auteur du roman Das Wochenende, paru en 2008, et que la réalisatrice Nina Grosse a choisi d'adapter au cinéma. Dans cette version, des parties ont été supprimées, mais certains aspects ont été accentués, ce qui fait que le film est moins politique que le livre, et est plus centré sur les relations humaines. Et le casting est exceptionnel. C'est un film pour le cinéma qui doit être vu sur grand écran. Car quand il y a des non-dits, la qualité du cinéma fait qu'à travers les images, vous avez des humeurs, des pensées, des émotions. Et c'est ce que ce film réussit à merveille. C'est un très bon film. La première de The Weeknd a eu lieu à Berlin. Souhaitons-lui le même succès qu'une autre adaptation d'un roman de Bernard Schlinke, The Reader. Ich fahre zurück, Ulrich. Ich melde mich, ja. An mich wird man sich erinnern. An dich nicht. Ist ganz banal. Ihr wart Killer. Jens ist weg. Ist nicht mehr aufgetaucht. Ja, ich war dabei. Und ich bin raus, als es ans Kill ging. Ah! Damit du dich an mich erinnerst!